Pierre Valls. Après le collège, j'ai effectué un BEP comptabilité pour le lycée professionnel des Îles du Nord à Saint-Martin. Après ce BEP compta, je me suis rendu en Guadeloupe pour effectuer un bac pro compta. J'ai fait 3 jours en bac pro compta. Je suis passé en première adaptation, première STT informatique. Ensuite, j'ai fait terminal technologique, filière informatique. J'ai fait 2 ans de BTS informatique, option réseau. J'ai voulu continuer en licence. 4 ans, loin de la famille, loin de Saint-Martin, c'était un peu difficile. Donc, je suis rentré à Saint-Martin. J'ai travaillé à Dauphin Télécom 2 mois. Par la suite, j'ai été embauché dans une entreprise qui venait de démarrer, fournisseur d'accès Internet, la Chinette. J'ai fait 2 ans. Et après, je voulais reprendre mes études. En 2010, je suis revenu en France métropolitaine. J'étais inscrit à la fac, mais encore éloignement de la famille. J'avais des soucis. Donc, j'ai abandonné mes études. J'ai recommencé à travailler dans une banque, une Natixis. Dans quelle ville? Paris. J'étais technicien informatique. Je suis resté 1 an à Natixis. Puis après, j'ai intégré la collectivité de Fontenay-sous-Bois en tant que technicien informatique, où je suis resté pendant 7 ans. Je suis passé de technicien informatique à administrateur réseau. Aujourd'hui, je suis administrateur réseau. Depuis le mois de juillet, je me suis inscrit dans une fac pour faire ma VAE, validation des acquis, pour devenir ingénieur réseau. Et en même temps, depuis septembre, je travaille au ministère de la Justice en tant qu'administrateur réseau. Donc voilà mon parcours.